un trio folk and rock de Marseille, formé en 2007. Ils ont plus de 150 concerts à leur actif, en France, en Angleterre, en Belgique. C'est la même prod que vous d'ailleurs, Pop. Tout à fait, exactement. Ils ont fait entre autres la première partie de Skip the Use, Johnny Winter, Dagobah, Eiffel, Tété. Ce soir, ils vous présentent deux titres de leur dernier EP et deux exclus, juste pour vous, de leur prochain album. Tout de suite, The Host. Thank you.
Merci. La prochaine s'appelle Marc. Thank you.
Merci. Julien, Thomas, Vincent, merci. Bienvenue, merci d'être venu. Alors, pour commencer cette interview, je voulais un petit peu vous demander d'abord quelles sont vos inspirations musicales après ce qu'on vient d'entendre, quels seraient un peu vos artistes que vous retiendrez. Alors d'abord, bonsoir Cyril et bonsoir Audrey. Salut, merci d'être là avec nous. Merci. C'est bon, hein ? Ça vous a plu ? Non, parce qu'on a travaillé une heure quand même sur le lancement. Nos influences musicales. On écoute beaucoup, beaucoup de musique tous les trois, donc c'est vrai qu'on a pas mal d'influences différentes. Et on se rejoint quand même sur quelques groupes comme Led Zeppelin, les Queens of the Stone Age, Pearl Jam, les Beatles, Supergrass. Et puis, dans tout ce qui est nouveau, qu'on peut écouter et qui nous influence pas mal, Midlake, Delta Spirit, Tim Wheeler, Arctic Monkeys, Nathaniel Radcliffe et les Black Keys. C'est voilà. Toi l'auteur-compositeur, hein, Julien. C'est moi. Plein de belles. Et après, on arrange, pardon, excusez-moi. Après, on arrange tous les trois. Donc, on travaille quand même en trio, même si toi, tu vas quand même écrire et composer les musiques. Après, au final, chacun va mettre sa patte, quoi. Ouais. Et quoi qu'il arrive, dans le travail du groupe, on est vraiment en osmose tous les trois et on avance comme ça, en frontal, tous les trois. D'accord. Alors j'aimerais parler un petit peu, parce que lorsqu'on découvre un peu vos chansons, on découvre qu'il y a un rock très énergique, très direct, très puissant, mais aussi vous avez quand même des compositions un peu plus douces, des ballades acoustiques, vraiment posées, élégantes. Alors j'aimerais savoir, voilà, plus folk bien sûr, j'aimerais savoir un petit peu, là-dedans, qu'est-ce que vous préférez vous? Est-ce que vous allez travailler encore sur des compositions un peu plus folk? Parce que c'est vrai qu'on les a entendues sur le premier album. Donc voilà, qu'en est-il un petit peu de vos désirs dans l'avenir au niveau musical, plutôt folk, plutôt rock? C'est moi qui ai le micro, donc je le prends. Vas-y, effectivement. Vas-y. On a oublié de citer Neil Young tout à l'heure pour faire le lien, évidemment. La base. Entre Pearl Jam et Neil Young, du coup, on se situe sur cette fourchette-là. Il se trouve qu'on développe un projet depuis bientôt 10 ans, quand même, et depuis maintenant 4 ans. On présente à la fois un set acoustique, ou plutôt électro-acoustique, dans la lignée des Unplugged qui sont faits à la belle époque de Seattle. Et du coup, Thomas se retrouve avec un caron, Julien avec une guitare folk, et moi toujours avec une basse électrique. Et ça, c'est le côté plus folk, avec des chansons plus posées, bien que ce soit les mêmes finalement que celles qu'on va jouer en set amplifié, comme ce qu'on vous a fait à l'instant. Donc les mêmes chansons qui sont arrangées légèrement différemment vont avoir un côté plus balade, un côté plus power. Certaines sont franchement plus balades, et d'autres sont franchement beaucoup plus power. Quoi. Voilà, c'est un peu ce côté folk and rock qu'on définit finalement sur la plupart du temps dans nos biographies ou quand on se présente en l'occurrence. Et ce soir, vous nous avez fait l'honneur, vous leur avez fait l'honneur de deux inédits quand même, deux exclus pour vous. Alors, ça fait partie des projets 2015, je crois, un 10 titres, c'est ça ? Je vais passer la parole à Thomas, du coup. Oui, un 10 titres en projet. Là, on a déjà du matériel enregistré, une première partie, et puis on va re-rentrer en studio. Et puis la sortie de cet album se fera en premier semestre 2015. Il y a un nom pour l'album ou... Non, c'est la... Pas encore ? Top secret. Non, c'est pas top secret, c'est juste que la période de studio, quand on enregistre, vraiment une période où on se retrouve en synergie et où on est dans notre bulle et où en fait on arrive... il éclot parfois des choses super intéressantes, et du design, du visuel, des chansons, des modifications, des titres, etc. Donc... c'est une période vraiment qu'on se réserve et on réserve le titre. Des fois, on le trouve à l'issue de cette période-là d'enregistrement. D'accord. Et on voulait vous parler aussi de ce qui s'appelle beaucoup en ce moment le do-it-yourself, parce que je crois que vous êtes passé par là aussi. Alors, comment ça se passe ? On est fervent pratiquant, un petit peu malgré nous, mais bon, ça fait 10 ans qu'on est formé, ça fait 10 ans qu'on fait du do-it-yourself. Et effectivement, on a aujourd'hui un projet de professionnel. Un tourneur, quand même, en fait. Un tourneur, effectivement. Ouais. Pop, pour oublier les productions. Et on a
Donc on est en voie de professionnalisation par rapport à ça, et on cherche aujourd'hui un label pour pouvoir justement éventuellement... Un label. Donc là, on s'adresse. Il est là, le label, il vous regarde, vous contacter. Donc pour le contacter, pour les contacter, on passe par la prod, par exemple. Par exemple, hein, pour Oublier Production. Ou alors le site internet, il y a toutes les coordonnées. Herecomethehost.com, yes. C'est ça? Le petit clin d'œil aux Beatles. Herecomethehost. Et puis en plus, il y a toute l'actu du groupe. Les dates, on trouve tout. Les dates de tournée. Le financement participatif qui est en cours, on n'en a pas parlé de ça, important. Oui, la prod, on est toujours en do it yourself, donc on cherche tous les moyens possibles, imaginables. Et là, on a trouvé effectivement le financement participatif, merci Julien, et par le biais de KissKissBankBank. Super, et on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là ce soir avec nous. Merci les gars. Merci. Et... Ouais.